là, ils nous chopent. Hein. En fait, il attaque deux fois, puis après, il se barre. C'est quoi se dire? Un. Deux. Et il s'en va. Et ça, c'était sans compter le petit copain qui est débile. J'ai oublié ce détail. Ah non, mais viens par contre là. Mais mon gars, t'as plein de toiles. Ouais, c'est pas d'effort. Hein. Ouais, bah voilà, bah merci quoi. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Ça arrive où ici? Ah oui, d'accord. En dansant, c'est ça. C'est une belle histoire d'amour finalement. Ça fait, mais en fait c'est quoi ça, juste en fait ça m'empêche juste de passer là, en fait c'est tout, ce qui est déjà pas mal en ce moment. Faire des trucs, c'est con. C'est triste à dire, hein, mais dans la vie, je pense qu'il y a des mecs qui ont été avec des, enfin, qui se sont mis avec des nanas débiles, et inversement, il y a des nanas qui se sont mis avec des mecs débiles. Et... En fait, t'as quand même des sacrés signaux, quoi. Tu as réussi, petite araignée. Tu as sauvé ton petit ami. Ils seront bientôt prêts à rentrer à la maison. Voilà, il est en train d'amener l'aéronef. Attends. Il arrive, attention! Il va se faire bouffer, non? Ah bah super! Ah bah super! Oh, on va se sentir comme ça cette fois! Accroche-toi, petite araignée! Nous allons rattraper cette emplumée! Terrasse l'oiseau! Il va me bouffer, non? C'est vrai que j'ai des lasers. Je sais pas où il est. C'est dur, terre camarade. Nous avons fait un détour pour chercher de l'aide. Et voisine. Pour Mimika, un rapport. Les créatures n'ont aucune chance.
On approche de la cible. Tu vas devoir déployer la formule Mika sur le dos de l'oiseau avec l'étoile. On y va. Oh putain. On demande des trucs là. Ça, c'est un sacré travail, hein. Imagine, sors de ton jardin et tu vois une montgolfière conduite par des fourmis avec une araignée qui lance des lasers sur un corbeau. C'est incroyable. Je suis en position de dégager le terrain. On détache la formule méca. Maintenant. Vas-y, coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. Putain, t'imagines le jeu se termine comme ça, quoi. Genre, l'oiseau se fait couper la tête, t'as du sang partout. Non, si, il avait de sa terre. Que doit-on faire de lui maintenant, camarade? On va voir loin d'ici. T'as entendu le piaf? Tu as grillé toutes tes options de fuite. Ces insectes de cette forêt ne te pardonneront jamais d'avoir enlevé et dévoré leurs amis. Ils ont maintenant les moyens de nous défendre. Tu vas devoir aller habiter ailleurs. Tu sais, de partir très loin d'ici, où il y a d'autres oiseaux comme toi. Quelque part, tu pourras enfin te faire des amis. Dans tous les cas, on ne veut plus te voir. Va-t'en avant que je change d'avis. Je vous ai compris. Voilà, j'ai une de ses peurs. J'étais pas sûr d'arriver à lui parler, mais j'ai réussi. Merci beaucoup, copine. Et merci à toi aussi, le petit ami de ma copine. Les actes héroïques m'ont donné le courage d'affronter enfin cette menace. Grâce à vous, on est un peu plus en sécurité maintenant. Yay! C'est fini.